Bonjour. Alors, tu as pris cette vidéo aussi parce que tu veux vraiment savoir comment tu peux aller au village pour honorer tes ancêtres. Voilà. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tes ancêtres ne te veulent pas du mal. OK? Et même si tu les as abandonnés depuis et que tu n'avais absolument rien fait, en écoutant ceci et en t'approchant d'eux, tu peux les activer et ils te parlent à nouveau. Voilà. Donc, la première chose que tu vas faire, même si tes parents sont vivants, tu peux toujours activer par tes grands-parents, ok? Tu as les grands-parents, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. En tout cas, tu viens de quelqu'un, ok? Ces personnes dont tu viens là, ils peuvent te guider. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? La première chose, avant de dormir, tu pars, voilà le lit, non? Tu cherches le sel. Donc, j'ai du sel que je vends, mais tu peux chercher ton propre sel. Tu vas verser le sel autour de ton lit, comme ça là. Ok? Tu verses autour de ton lit. Tu prends l'eau dans une tasse. Tu déposes à ton chevet. Voilà. Avant de dormir, tu dis ceci. Tu déposes l'eau, tu mets le sel. Tu parles. Comme je verse le sel, c'est là. Je demande à mes ancêtres la direction. Ça, c'est peut-être que tu as une décision importante à prendre. Supposons, tu veux, justement, tes papiers sont bloqués. Tu veux faire le rituel si là que je suis en train de vous la décrire et tu ne sais pas comment faire. Donc maintenant, tu vas donc verser le sel. Tu dis, voilà, la femme, c'est là, je l'ai écoutée, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Si c'est que ce qu'elle dit là, hein, je suis censée faire. Dites-moi, guidez-moi, montrez-moi. Peut-être tu as un gars avec lequel tu sors ou bien et qui te bloque tout le temps. Maintenant, voilà, peut-être tu veux te marier. Et tu ne sais pas si c'est la bonne personne, tu verses le sel. Parlez-moi, est-ce que c'est la bonne personne? Donc maintenant, si tu veux aller au village, verse d'abord le sel comme ça pour les préparer. Donc, beaucoup d'entre vous, ceux qui sont en Europe, parfois, dans vos familles, oh, on ne connaît pas, on ne connaît pas les trucs là, je ne connais pas moi ce que c'est. Oh. Un de tes ancêtres, même s'il était méchant de son vivant, ne va jamais te faire du mal. Si tu viens, tu veux l'honorer. Et parfois, parfois, vous vous découragez. Parce que vous laissez les personnes qui ne vous connaissent pas votre situation, vous donner les mauvais conseils. Voilà. Donc, enlevez les croyances que vous avez. Si tu verses ton sel, tu parles et on te montre dans la nuit, crois en ce que tu vois. Arrêtez toujours de dire que, oh, on m'a dit que. Parfois, les gens interprètent mal ce qu'il y a dans la Bible. Si je verse, je parle et un moment dans la nuit, comment je vais refuser de croire? Donc parfois tu peux parler comme ça là et puis comment savoir d'abord que je peux m'aller, je dois aller arranger la tombe. Peut-être tu vois la grand-mère dans le rêve, elle te dit qu'elle a faim ou bien elle veut manger. Ou bien tu vois la grand-mère, elle dit qu'il pleut sur elle. Ou bien même seulement la voix dans le rêve, ok? Ou ta mère ou ta grand-mère. Donc quand tu verses le sel, tu parles comme ça là. Même si dans la nuit là, tu n'as aucun signe, même si dans la nuit là, rien ne se passe. Tu ne reçois rien, tu n'as pas de vision, rien du tout. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas partir. Ok? Donc si tu es à l'étranger. Je vais prendre le cas d'abord de celui qui est à l'étranger. Tu envoies quelqu'un de confiance. La personne doit avoir le bon cœur sur toi. OK? C'est pour ça que c'est quelque chose que j'offre aussi aux gens que, bon, si tu ne connais pas quelqu'un que tu peux envoyer dans ton village, moi, je peux faire ce rituel-là dans mon village, dans mon lieu là où je travaille, pour toi. Maintenant, je prends le cas de quelqu'un qui est en Europe et que quelqu'un peut aller faire ta part. Assure-toi que c'est une bonne personne d'abord. Parce qu'il ne faut pas prendre quelqu'un qui te manipule depuis des années. Et tu l'envoies pour aller faire ton truc, pour te libérer. La personne va partir. Et certains de vos frères et soeurs, là, quand ils sont en Afrique, ils connaissent. Ils connaissent. Donc, quand ils savent que tu vas te libérer, ils disent que, ah, elle connaît déjà. Hein. Ils ne veulent pas. Donc, il faut faire très attention. Donc, tu envoies. Tu dois envoyer. Le rituel doit comporter l'argent pour les biscuits et bonbons des enfants. Dans chaque village que je connais, il y a toujours des enfants au quartier comme ça, là, que quand il y a une fête quelque part, ils partent manger. Ok? Il part te manger. Donc, tu envoies l'argent pour les biscuits et les bonbons des enfants. Deuxième chose, on ne peut pas la nourriture préférée de ton grand-père ou ta grand-mère. S'ils ne connaissent, on ne connaît pas la nourriture préférée, on peut parler de le riz ou le couscous. Le riz, c'est bien parce que quand les gens mangent, ça tombe au sol. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Ok? On dit quand ça tombe au sol, comme ça, là, les fourmis qui mangent, là, ce sont les ancêtres. Ok? Donc, on ne peut pas la nourriture préférée de cette personne-là, de ton ancêtre qui est parti. Parfois, tu peux être le successeur de ta grand-mère. Tu es son successeur, c'était vraiment ta personne. Donc, elle t'aimait beaucoup. Voilà. Donc, la personne qui part doit aussi prévoir peut-être acheter peut-être du riz. Ça dépend de tes finances. Du riz, de l'huile, du sel.
du savon. Et on partage l'huile rouge. Hein. Si tu n'as pas assez d'argent pour acheter beaucoup d'huile d'arachide, l'huile rouge, ça va. Donc, ça, c'est ce qu'on va diviser en petites portions, on va partager aux villageois. Maintenant, tu ne peux pas manquer d'acheter le vin parce que les gens au village, tu leur dis n'importe quoi. Tant que tu ne donnes pas la bière au sol, tu ne déposes pas la bière au sol, ils ne sont pas sur ça. Donc, tu achètes aussi au moins un, deux, trois casiers. Donc, chaque personne qui est là, au moins une bouteille dans sa main. Voilà. Généralement, au village, dans les villages, il y a toujours une personne qui, quand on vient pour faire les cérémonies, la personne l'a pris. Elle prend un patois, voilà. Donc, vous pouvez préparer, si vous avez une concession au village, on prépare sur place. Et puis, les gens du village viennent manger. Si vous n'avez pas de concession, on peut pas en ville, on part au village avec. Maintenant, quand on arrive sur la tombe, ça c'est, même si c'est toi, tu es ici physiquement. Hein. Donc, quand on arrive au village sur la tombe, tu peux leur demander, il y a WhatsApp maintenant. Hein. Ils filment à chaque fois, ils envoient et tu vois. Donc, on part sur la tombe. Nettoyer la tombe, ça veut dire qu'on enlève d'abord les herbes qui sont autour de la tombe, les mauvaises herbes. Et quand on arrive, on achète le jujube avec la cola. Jujube et cola, dites seulement comme ça au marché. Si vous suivez cette formation, vous ne connaissez vraiment pas ce que c'est, vous me faites un message inbox. Mais normalement, vous devez connaître. Même si tu es congolais, tu peux au marché, tu demandes le jujube et la cola. On va te montrer. Parce que les Africains, on a tout ça dans nos traditions. Donc avant de commencer, d'abord, on prend la cola, on divise. Peut-être trois colas, on divise en petits morceaux. On ouvre la cola. Et le jujube, donc, on ouvre le jujube en mettant derrière le dos. OK? Là, au dos, sur le dos, pardon. On ouvre en parlant que ce jujube s'y bénisse la personne, si comme que vraiment que ça fasse que le travail de Reine Lumière marche, que ces choses marchent bien. Voilà, on ouvre. Après, on mélange le jujube, la cola et le sel. Maintenant, pour ouvrir, donc quand tu arrives, tu nettoies pas seulement la tombe comme ça là. Tu prends d'abord un jujube, tu ouvres, tu émiettes avec la cola, tu émiettes, tu lances. Tu dis que voilà, tu lances même un peu, hein, que voilà. Si tu as ta grande sœur, c'est généralement la grande sœur qui parle pour toi. Mais si tu n'as personne, pas fait ça toi-même. Parce que je me suis rendu compte que quand quelqu'un parle pour toi, la personne a parfois les bonnes paroles. Mais si tu n'as pas, tu répètes seulement ce que tu as dit, c'est là, tu fais comme il dit. Voilà, papa, maman, je suis venu vous voir. Grand-mère, tu nettoies. Tu verses d'abord un peu le jujube. Que vraiment, je suis venu vraiment comme ça, là. Je m'excuse de vous avoir laissé depuis longtemps. Ce n'était pas ma faute. Tu verses le jujube, tu verses la cola. Maintenant, comme tu as versé, tu ouvres maintenant, tu prends tes mains, tu enlèves, enlève avec tes mains. Si c'est beaucoup, c'est trop, tu désherbes une partie, tu appelles d'autres personnes, ils t'aident à désherber. Mais toi-même, ta main doit toucher la chose, ok? Ta main. Ce n'est pas que je te mets debout comme ça, là, les gens font pour toi. Toi-même, c'est une herbe que tu enlèves et on enlève le reste. Donc, en enlevant, on parle généralement. Vraiment, pardonnez-moi, vraiment. Je ne savais pas. C'est maintenant que je sais. Demande comme ça, comme je t'ai dit là. Excusez-moi, je vous ai abandonné depuis. Et si le caveau, si c'est un caveau, peut-être quelque chose comme ça là, si peut-être je n'avais pas mis de toit, tu arranges encore, tu peins, tu vois, non? Tu arranges un peu là, tu mets les carreaux, que ce soit un peu beau, voilà. Tu mets ça comme ça là maintenant, tu parles, que vraiment je m'excuse comme je vous ai un peu abandonné. Tu défriches. Maintenant, généralement les tombes sont carrées de nos jours. Donc tu prends la serpillière, avec l'eau, le seau, tu verses un peu le sel dans l'eau là, avec le jujube. Tu prends toi-même, tu presses, tu essuies. Je dis, voilà, maman, comme je lave comme ça, là, ouvre mes portes. Ouvre mes portes, maman. Papa, ouvre mes portes. Ouvre mes portes. Que s'il y a n'importe qui, n'importe où qui me fait du mal. Comme je suis là, je suis ton enfant comme ça, là. Intercède pour moi là où tu es, auprès de Dieu. Intercède pour moi que mes choses marchent. Que mes choses marchent. Tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. Voilà, ça, c'est la première partie. Chez nous, les Bamileke, OK? Quand on fait comme ça, après, on met un peu. Tu prends maintenant la nourriture, tu mets dans un plat. Je crois que je pars au village dans quelques jours. Je vais faire une vidéo comme ça. Je vais mettre comme ça là, un peu plus détaillé. Comme ça, les gens pourront bien voir. Mais je ne mettrai pas sur les réseaux. Ça, cette formation-ci est privée. Je ne vais pas la publier. Je ne vais pas la publier. OK. Donc, tu prends dans ton assiette, tu prends un plat, non? Si c'est le taro, supposons, ou les mets de pistache que maman aimait. Tu mets les mets de pistache avec le complément. Si tu ne peux pas avec la viande, ne peux pas avec la viande avec os. Tu vois, viande sans os. Tu émiettes. Si, ma mère aime beaucoup le râpé avec la sauce d'arachide. Et elle aime aussi souvent le couscous avec la sauce de légumes avec le pistache. Voilà les nourritures de ma mère. Donc tu émiettes, tu émiettes, tu émiettes. Tu prends les bonbons, tu mets dans le plat là toujours. Les biscuits, tu mets dans le plat là. Juste quelques, pas beaucoup. Maintenant, tu prends aussi un autre plat où tu mets le sel, le jujube, la cola. Donc, ça veut dire que tu as deux plats. Premier plat maintenant, si tu n'as pas quelqu'un qui peut parler pour toi. Si c'est quelqu'un qui parle, assure-toi quand même que tu entends ce que la personne dit, que dit la personne dit les paroles aussi. Et n'aie pas peur, si la personne parle, il ne parle pas tout ce qui était dit là. Ton mot, tu peux aussi ajouter ta part, tu vois, non? Donc voilà. Tu prends le sel et le jujube et la cola.
Tu verses, voilà, apportez-moi la faveur, ouvrez-moi les portes. Que partout où je pars, si c'est le mariage que tu veux, tu parles. Et quand tu fais le truc, c'est là comme ça, là, parle ta part dans ton cœur, médite dans ton cœur. Médite dans ton cœur, ouvre mes portes, que mes papiers marchent, qu'on me donne aussi la nationalité. Voilà, tu connais tes problèmes, non? Tu ne peux pas parler de tes problèmes à tes amis, tu ne peux pas parler à tes ancêtres, comment? Maintenant, tu prends la nourriture qu'ils aimaient. Tu prends, tu manges un peu, tu prends le reste, tu verses ça sur la tombe. Voilà, manger, oh, manger. Maman, maman, voilà ta nourriture que tu aimais. Tu manges un peu dans ta bouche, tu donnes sa part sur sa tombe. Ou papa. Généralement, quand c'est moi qui viens bénir les tombes, tout ça, là, je verse l'huile d'olive. Si tu es dans un cimetière, il y a beaucoup de personnes qui sont enterrées. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends aussi un peu de nourriture, tu lances sur la tombe des autres personnes. Juste un peu, hein, vraiment. Ou même le jujube ou le sel, tu lances. Que vraiment, vous, ces voisins-là, vraiment, profitez aussi, ok? C'est comme ça qu'on fait. On n'a pas peur des morts chez nous. Profitez aussi, tu verses. Maintenant, tu prends la boisson. Donc, quand tu achètes, vraiment, ne lésine pas sur les moyens. C'est vrai que tu achètes le whisky. Moi, mes choses ont commencé à souffrir quand j'ai fait un grand salaka sur la tombe de ma mère. Oh! J'ai peut-être vous fait des petits salakas de 40 000. L'autre avait fait 250 000 comme ça ou 300 000. J'ai acheté les choses, le whisky. Donc, tu prends le whisky comme ça, tu ouvres. Si c'est le vin préféré de ta mère, le whisky préféré, tu ouvres. Si tu viens de l'Europe, prends même là-bas avant de venir avec. Ne viens pas acheter le faux whisky là. Mm-mm. Tu ouvres, tu verses, tu bois un peu. Tu dis, maman, voilà ce que tu aimais. Tu vois ça, maman. Voilà, tu verses, tu lui parles. Maman, ouvre mes portes. Tu finis comme ça là. Tu t'assois. Moi, la fois que j'avais fait, après ça, il a plu. Donc voilà les signes. Parfois, tu vas voir les petits papillons ou les oiseaux ou la pluie. Ce sont les bons signes là-bas. Maintenant, parfois, c'est dans les villages pour avoir les fausses personnes qui vont venir, les petits vampires là, qui vont venir pour vouloir interrompre la chose. C'est pour ça qu'on donne l'anchois aux villageois, pour que leurs yeux là ne fassent pas du mal à ce que tu veux faire. Le reste de nourriture que tu as préparé, même si c'est seulement le pain chargé, tu donnes aux gens. Donc, tu fais avec tes moyens. Donc, tu le fais, tu partages aux enfants. Biscuits, bonbons là, tu prends un sachet. Il y a les biscuits de Vincent au Cameroun, même 100 francs. Tu pars, tu donnes un aux enfants, un bonbon, un biscuit. Donne les biscuits aux adultes. Oh. Moi, quand j'étais au village, souvent, ils partageaient les biscuits et ne donnaient pas pour les adultes. maman, oh, tu m'as refusé les biscuits. Avec les petits sachets de lait Nido là. Donc, on peut dire que par personne, tu peux donner 250. Ok? Maintenant, le jus. Tu partages le jus aux gens aussi. Après, ils mangent. Bavarde un peu. Maintenant, tu as fini, tu peux partir. Le riz là, moi, j'ai remarqué qu'il fait des salakas. Je prends le riz. En avance, on attache en petit sachet. Un riz, un savon. Donc, quand quelqu'un vient, on porte un sachet, on donne. On porte un sachet, on donne. Assure-toi que tu fais beaucoup. Genre, donne toujours plus. Donc, en donnant au début, d'abord, donne un à tout le monde. Ne donne pas deux. Pour que tout le monde ait. Demande toujours qu'on donne une estimation de ceux qui seront là. Voilà. Donc, assure-toi qu'il y a toujours plus que moins. Donc, comme on est pour le village, généralement, et si ça manque, ceux qui sont là, même s'ils n'ont pas eu le riz, personne au village ne refuse la bière. Donc, il y a toujours une vente quelque part là. Tu sors l'argent, tu dis qu'elle a acheté la bière aux gens, s'ils boivent, ok? Ne laisse personne. Et parfois, tu peux faire comme ça, là, tu as un vieux ou une vieille qui vient. Hé, maman, vraiment, il veut te saluer. Pas au village avec beaucoup de bières de 500 ans. Tu as compris? Pas avec beaucoup de bières de 500 ans. Parce que quand tu veux faire là, si tu sors 10 000, tu donnes. Même si 50 personnes viennent, hein, tu donnes 20 000 que partager, ils vont simplifier. Alors que si tu avais 10 billets de 500, chacun prend sa paye, il est content. Chacun prend sa paye, il est content. Donc, tu pars avec les billets et les pièces. Les pièces pour les enfants. Tu donnes. Voilà, maintenant. Tu parles que vraiment, que toute personne est là. Pour les gens là, parfois, il y a aussi un vieillard, je disais, qui va venir, va vouloir prier pour toi. Que vraiment, que ce que tu fais marche. Vraiment, que tu apportes que l'avion. Oh, c'est le genre de prière là que tu dis, amen, que je reçois. Parce que c'est les ancêtres comme ça qui les poussent parfois pour qu'ils viennent te parler. Que vraiment, on a été béni. Souvent, maintenant, s'il y a la concession chez vous, tu peux faire comme ça, tu restes là-bas une nuit. Ok? Tu dors. Tu restes là-bas, tu dors. Quand tu dors comme ça, souvent dans la nuit, tu vas voir. Parfois, ils vont te montrer s'il y a encore d'autres choses à faire. Maintenant, parfois, il y a d'autres lieux sacrés. Moi, quand je partais souvent, c'est comme ça que j'ai découvert un autre lieu sacré. Bon, on va te dire, non, il y a telle personne là-bas. Voilà. Donc, il faut aussi beaucoup l'écouter, les vieux là. Parfois, il y en a qui sont un peu chiants. Genre, ils vont vouloir venir bavarder beaucoup. Moi, j'étais le cousin du ministre. Je connaissais ta mère. Ta mère, c'était ma fille. Voilà. Écoutez-les calmement. Après, vous leur donnez un peu d'argent. Ils partent. OK. Donc, je fais ça pour que je veux vous familiariser avec ce qui est de vous-même, les ancêtres, le spirituel, c'est là. OK. Voilà, quand vous faites ça maintenant, évitez les bagarres. Si quelqu'un vient vous faire des problèmes ou tout ça, là, vous fuyez, ça m'a pâté. Parce qu'il y a des gens, parfois, les mauvaises personnes qui viennent gâter votre travail. Et
Moi, j'ai pris parfois, il dit que si toute personne, qui que soit qui vient ici là pour gâter, j'annule le mauvais esprit qui est venu avec. Voilà, tu mets déjà ça en avance. Ok, donc voilà ça. Ce que je viens de vous dire là, si vous n'avez personne dans votre village qui peut faire, moi je fais souvent ça dans mon village en votre nom. Il y a les salakas que j'ai fait dans mon village au nom des gens. Ok, voilà. Donc je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, vous avez suivi ceci et vous voulez faire plus, parfois aussi les lancers de poules, sacrifices de coq, tout ça là, ça c'est toujours pour ouvrir plus de portes. Et parfois tu peux faire ça si y a un lieu sacré dans ton village où il y a l'eau. Tu pars là-bas, tu te laves avec l'eau là. Tu prends même un peu de cette eau-là, tu rentres avec. Tu te laves souvent avec. Tu gardes, genre, une fois par semaine ou bien une fois toutes les 2 semaines. Tu mets un peu l'eau-là dans ton seau, tu te laves avec. Tu prends même la terre de votre village, la terre de votre concession. Tu peux même prendre la terre du lieu sacré. Tu rentres avec. Chaque fois que tu as un petit problème qui te dérange un peu, là, tu verses la terre-là dans l'eau avec le sel. Tu parles, que vraiment que les ancêtres de mon village me guident, qui me montrent la direction. Montre-moi ce que je dois faire. Ouvre mes portes. Tu te laves avec. Voilà. Je vous aime très fort. Je prie que votre travail, que vous allez partir au village, que ça marche bien. Ok? Bisous.